Good morning, allez Yiden, Purim Samear, pour tous ceux qui fêtent Purim le 14, 14 Adar. L'étude aujourd'hui de l'Unishmat, Norbert Avram Chai Ben Fortuné, Olga Batzol Venish, Rachamim Ben Rosa et Chaya Bat Tova, ainsi que le Fadre Fadre Zavon Ben Chamalia, Miramat Rasidato Ben Yudite, Sarah Bat Beti Rivka, et Torchak Rol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous disons le Sarah Bechorot, pour Yidalet Mishnah Chet, et Chachoud à la Jvihit, en Lokrin Memenu Pishtan, Bafelo Serek. Aval Lokrin Memenu Tavouy de Arig. Mishnah très simple, on est en rapport avec la Mishnah précédente. On avait appris dans la Mishnah précédente toutes sortes, ça va être le but en fait de la prochaine Mishnah, il y a toutes sortes de choses que Chachamim ont fait un Knas, on met une amende pour celui qui va transgresser certains interdits, qu'il ne pourra plus tirer profit du produit de sa rapine, de son interdit, de ce qu'il aura fait. D'accord ? On avait appris dans le chapitre précédent, par exemple, un Kohen au lieu d'attendre patiemment que son mouton va avoir un défaut, lui-même il va en cachette. On le soupçonne qu'il va en cachette, qu'il va inciser rendre l'animal invalide pour le Mizbeach. De ce fait, on ne pourra pas acheter de sa viande. Ça, c'est la Mishnah précédente. Maintenant, on va continuer, du coup, dans la Mishnah et les prochaines Mishnayot, à parler de toutes sortes de chashudim, de gens que l'on soupçonne. En l'occurrence, les chashud à la shvit, celui que l'on soupçonne sur la shvit. On va expliquer quoi précisément. Il y a toutes sortes de choses qui sont interdites en Shvit, dans la 7e année, l'année de Jachère. On n'a pas le droit de travailler son champ, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits. Et vous débarquez au marché, et vous rencontrez comme ça votre voisin que vous soupçonnez, que c'est connu que chez lui, il n'est pas tellement. Il se permet de faire des choses en cachette. Et puis, il vend aujourd'hui au marché, il vend quoi ? Elokri Memnu Pishtan. Il vend lui du Pishtan, du lin. Et bien, on n'aura pas le droit d'acheter du lin de lui. La Filou Serek. Et même s'il a été peigné. Avalokrin memenu tavouy ve'arig. Par contre, on pourra acheter de lui du lin qui a été tissé et qui a été, à plus forte raison, qui a été. Qu'on en a fait un. Du lin plutôt. Tavouy, c'est qui a été filé. Ve'arig, c'est qui a été tissé quand on en a fait un tissu. On explique. Ça va être très rapide, c'est très simple. En Shvit, on n'a pas le droit, alors Bartenu rapporte, on n'a pas le droit, par exemple, de semer. On n'a pas le droit donc de faire pousser du lin, c'est-à-dire si on a du lin qui pousse tout seul, il y a un interdit de toute façon de sfirim. En tout cas, le lin, d'abord, j'ai oublié de préciser quelque chose de plus évident. Le lin, ce n'est pas. Si le lin c'était que pour faire des habits, ça aurait été permis en juillet de le cueillir et de l'utiliser. Le problème, c'est que le lin, ça se mange aussi. Puisque ça se mange, alors dans ce cas-là, il y a Gdushat Juvit. Il y a la Gdushat Juvit, donc on n'a pas le droit non plus. On n'a pas le droit de ce fait de faire du commerce avec son produit, d'accord, ni de le planter bien évidemment. Maintenant, donc on a une personne devant nous que l'on soupçonne qui ne respecte pas la juillet, qui fait par-ci par-là, il fait des petits coups en douce pour pouvoir se permettre d'avoir son business qui tourne en juillet, et on le voit donc, comme on a dit, au marché avec du lin. Alors le principe est très simple, c'est comme dans la mission précédente, tout ce qui est. Il y a une grande règle. Quelqu'un qui transgresse un interdit et qui va ensuite commercer, il se dépêche de receler son interdit. D'accord ? Il ne va pas rester avec, il ne va pas se mettre à le travailler. De ce fait, le lin à l'état brut, ou même qui a juste été les premières étapes du travail quand on va le peigner, le lin c'est un fil, une fois qu'on a, c'est des petites boules de lin qu'on les éclate, et ça fait un fil très épais, et puis après on commence par le. C'est comme on carve la laine, on peigne aussi le lin, parce que quelqu'un, ça va faire plein de petites fibres. Et après, on va prendre ces fibres, on va les filer, ensuite on va faire un tissu. Eh bien, lorsqu'on est dans les deux premières étapes, c'est à l'état brut, ou même que ça a été, pour le moment, il a été serek, comme un masrek, un peigne, c'est qu'il a été peigné. On est encore dans les premières étapes, c'est des travaux qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, et on craint qu'il est en train de revendre le fruit de son interdit. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser ce lin. On ne va pas pouvoir l'acheter non plus. Par contre, si toutefois, vous allez au marché et vous remarquez qu'il vend là-bas des pelotes de fil de lin, ça a été tissé, et là, ça demande beaucoup plus de travail. Ça demande, après, quand on les éclate, il y a tout un travail, il faut prendre des fils, les fibres, on commence par les filer, puis après, il faut les doubler, les tripler, les quadrupler, pour pouvoir faire un fil costaud. Ça demande beaucoup de travail. Et si jamais il vend du lin pendant l'année de juillet ou même juste après, eh bien, s'il vend des pelotes de fil de lin, on ne va pas soupçonner que c'est les restes de sa juillet. On va plutôt dire que c'est probablement des vieux stocks qu'il avait chez lui ou qu'il a racheté de quelqu'un d'autre. Et donc, on pourra l'acheter. Idem aussi avec Harig qui a été
Tisser comme on a fait un tissu. Vous allez me dire, mais c'est évident. Hein. Si tu as le droit de vendre du fil, alors plus forte raison, c'est que tu as le droit de vendre du tissu. Parce que le tissu, ça vient après le fil. Donc, s'il y a une étape où le fil était permis, c'est évident qu'ensuite, il pourra même vendre du tissu. On pourra acheter du tissu de lui. Le partenaire rapporte qu'on parle d'un type de tissu un peu spécial qu'on fait, qu'on obtient sans travailler le lin, sans le filet. Ouais, on prend apparemment le lin un peu à l'état brut et on en fait des petites chaînettes. Et donc, c'est ça ce qu'on a vu inclure dans la Mishnah. Le principe, en tout cas, c'est le même. On a tout compris. Pour une samedi, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et pleine de Simcha. Kol Tov, Selah.